Mais où sont les rageux? Mais où sont ceux qui disaient que ça va pas durer? Aujourd'hui c'est toi que j'ai choisi. On va faire ce coup de chemin tous les deux. Aujourd'hui c'est toi que j'ai choisi. On va faire ce coup de chemin tous les deux. Ils sont réunis amis et famille. Amis et famille. Pour ce coup de chemin tous les deux. Ils sont réunis amis et famille. Amis et famille. Pour ce coup de chemin tous les deux. Bon papa, est-ce que t'es content d'aller aux Maldives? Oui. Ouais, t'es content? Oui. Est-ce que tu sais à quoi ça ressemble? Ouais. C'est vrai? C'est vrai. Ça ressemble à quoi? Hein? Ça ressemble à quoi? Je sais pas. Il a aucune idée. Il a essayé de mentir. Là, c'est vraiment direction Maldives, mais en grosse équipe. Et la dernière fois que je suis allée aux Maldives, les gars, j'étais enceinte de Kaidou. Ah ouais. C'était un vrai bon moment. Mais on n'avait pas profité. On n'avait pas bien profité. Et tout, parce que j'étais archi enceinte, j'étais enceinte de 6 mois. Et là, on y va avec toute la famille. Là, on va pouvoir bien kiffer. Là, regardez. Il y a Inaya juste là. Il y a Emine. Il y a Nordine qui est là. Il y a mon père. Et regardez les enfants. On a même pris les nannies. Là, il y a Nordine toujours connecté en mode Bitcoin. T'as capté? You're happy to go? Yes, yes. Donc, direction Maldives. On va fumer toutes les vacances. Where you go, my baby? Where you go, Kaidé? What? Bon allez la famille, direction les Maldives. Bon la GLC, on vient d'arriver aux Maldives. Eh, le décor il est juste incroyable, c'est une dinguerie. Une dinguerie de fou. Par contre on a eu un long trajet, on a eu l'avion 6 heures de l'avion Dubaï. Avec des escales, carrément. Après on a pris un petit avion qui a fait une escale. C'est la première fois carrément on est resté dans un avion, on a attendu, les gens ils sont sortis, il y a eu une escale d'avion carrément. Ensuite on a pris un bateau. Bref, on est arrivé. Jazz elle est déjà partie à la chambre. En tout cas on a hâte de vous montrer la chambre, ça a l'air d'être un truc de ouf. Le paysage il est magnifique. Incroyable. Donc voilà, on va faire la petite visite. Ça s'annonce lourd. Qu'est-ce que t'as dit? Tu es dans la maison, tu vois de poisson. Ok, vous avez capté, voilà. On va faire genre, on a capté. Allez les gars, on va regarder la maison. Plongeur du monde. Tu m'as toujours dit que tu avais super bien plongé dans l'eau. Mais ça c'est vraiment. Montre-nous. C'est pas nager. Hein? C'est pas nager. Mais si, c'est nager. Ouais, c'est pas nager. Il travaille hier, il a failli se noyer avec carrément que la bouée se noyait. T'as dit quoi? Elle a dit que tu sais pas nager. Menteur. Menteur. Il a battu. Tu sais nager ou pas? C'est un menteur, hein. Il nage en mode troll, regarde comment il fait le bout. Ralito. T'es bien, t'es un bon papa. Pourquoi dès que je te filme, tu serres les abdos? C'est vraiment bizarre, c'est gênant. Tu serres les abdos? C'est un bon papa. Carlito. Carrément, moi je lui ai dit, ah, tu fous mon verre, mon verre. Ah, tu fous mon verre. Ah non, je vais pas me lever dedans. Bon, allez, sur ce, on vous laisse. Mon jus de pomme, trop bon. Oui, c'est ça. Mon jus de pomme. L'alcool n'est pas autorisé. Non, c'est du jus de pomme pressé. Tu vas devenir rata. Elle dit des trucs de fou. Oh, c'est la crème, c'est la crème. T'as abusé de la crème, elle dit des trucs de ouf. Je crois que tu vas devenir rata. Bon, allez. Allez, fin. Regardez le kayak, il est transparent. C'est vraiment super beau, vraiment incroyable, le décor il est magnifique. Et c'est là où tu te dis franchement Dieu, il est là pour quelque chose parce que la nature elle est incroyable. Franchement notre créateur est très fort, c'est juste magnifique. Regardez l'eau comment elle est claire, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. C'est trop beau. Je suis archi petit. Bon, en tout cas, c'est très très chaud ici. Quand hein. T'arrives, je suis obligé de vous montrer.
Vas-y, fais un plongeon maintenant. Comme ça. Vas-y, engage, fais pareil. Ça a été vraiment nul son saut. Mais t'es nul. Bah, je m'as dit un plongeon. Bah, c'est toi qui voulais faire un plongeon, t'avais le choix, toi. Vas-y. À moi. Il y a un rempart en fait. Il va se noyer. Moi, je vous le dis. 1m65, il a pas pu. Vas-y. Mais je vais me péter la tête, il y a un rebord. C'est bon, moi aussi il y avait un rebord. Hein. Plongeon éclaté au sol, c'est mort. Voilà, il y a trois types de mecs sur cette terre et de filles. Genre, t'as capté? Il y a ceux qui sortent de l'eau, ils sont comme ça. T'as vu, ils s'étouffent? Il y a ceux qui sortent. T'as capté en mode beau gosse. Le troisième. Et le troisième. Mais il sort pas, allez, reste moi. Lolo. C'est top. Gamin. Alors Carlito, tu penses quoi des Maldives? C'est top. Top, top, top. C'est incroyable, hein? Ouais, incroyable. On profite. Ah ouais, cool, ouais. Tu souris bien, ça fait plaisir. C'est bien. Oh, je monte les enchères à 4K. 4K? Vas-y, pousse-toi. Vas-y, je te laisse y aller. Tu fais un plongeon, gros? Non, je descends, wesh. Non, 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 non. Gros, tu sautes, tu plonges au milieu de l'eau, wesh, sérieux, quoi? Il y a un plongeon, hein, frère. Il y a 4K à gagner, ma gueule. Un plongeon, frère. Plonge, hein. Moi, j'appelle les requins juste devant toi, là, tiens. Vas-y, maintenant, maintenant, se plonge maintenant. Eh hey, frère, il y en aurait plein d'entre vous. Pour 4K, vous auriez sauté. Hein. Vas-y, bah, lui, saute maintenant, plonge. Il a 4000 euros facile. 4000 euros, t'aurais pu avoir. 4K, t'aurais pu avoir. Bah, attends, il graille et tout, frère. Ouais, mais c'est le but. Le but, c'est qu'il graille maintenant. I give him $4,000 if you go inside. No, for his safety, we don't allow him. No, for $4,000, he can. We can allow him to go. You can have a new leg for $4,000. Have a new leg. They can buy the leg. It's okay. $4,000. Bro, au pire, tu perds un bras avec $4,000, t'en rachètes un. Ouais, ouais, concentre-toi. C'est bien de nourrir les poissons. Pas peur, il part même pas, il s'en fout des boulons. Putain, là personne. Je dis la vérité, par contre, là-bas il y a un bateau. Je sais pas qui c'est, si c'est Bill Gates ou Steve Jobs. Steve Jobs, tu penses? Ou le créateur du Bitcoin, mais on connaît pas son nom. En tout cas, le bateau il est quand même très, 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 très énervé. C'est incroyable. Comme quoi, il est toujours au-dessus, parce que là c'est vraiment au-dessus, au-dessus, au level. Le mec il a un hélicoptère. Il y a une station de ski. C'est n'importe quoi. Incroyable. Et du coup, lui, c'est le mec qui s'occupe de nous pendant toutes les vacances. Quand vous arrivez en famille, ils vous mettent un mec disponible pour vous tout le temps. Comme ça, vous avez tout le temps, vous avez la communication avec une seule personne et pas plein de personnes. Vraiment, tous souriants. L'île, elle est magnifique. Tu te lèves le matin, il y a la mer. Tu vois les arbres, tu vois les animaux. Bref, c'est juste incroyable. Et comme quoi, vraiment, la nature, c'est important. Parce que c'est bien beau. On est à Dubaï toute l'année. À Dubaï, c'est beau aussi. Hein, c'est magnifique. Mais là, c'est la vraie nature et ça fait tellement du bien. Ah oui, par contre, chose très importante, mettez de la crème solaire. What's the name of Papi? Papi Jazz. Papi Jazz? Non. Carlito. C'est bon.
Moi, papy. Sam, let's go. La mère. Let's go, bébé. Carlito dans son état naturel. À quel âge déjà? 54 mètres. Tu montes bien. Regarde la chauve-souris. Oh ouais. Comment elle regarde? T'as commandé quoi? Des pâtes. Ça c'est quoi ça? Non. Macaron. C'est pas les pâtes? Non. Les pâtes spaghetti. Non. Donc ça c'est pas des pâtes? Non. C'est macaron. T'es très énervé parce qu'ils t'ont ramené ça là? Ils t'ont ramené ça mais c'est pas des pâtes. Ça mange pas pour vous. Ça passe pas. T'es très énervé du coup. Allez toi, on recommande. Parce que c'est pas des pâtes. Voici l'endroit où je vais demander Diaz en mariage pour une troisième fois. Je vais la demander ici en mariage une troisième fois. Est-ce que c'est possible? Elle a pas vu ça. Hein. Elle sortira que. Elle verra que quand ça sortira. Est-ce que je peux la demander une troisième fois en mariage? Si vous en pensez quoi? C'est beau, non? Je pense que ça peut le faire. C'est magnifique. C'est incroyable. Regardez, je vous montre. C'est incroyable. Je pense franchement que ça vaut la peine d'une troisième demande. Bon, ça y est, fini les vacances. Vacances terminées, c'était incroyable. Je suis triste, j'ai pas envie de rentrer, c'était super beau, vraiment. Des vacances de ouf, l'hôtel il est juste incroyable, l'eau elle est belle, c'était la plage ouf. Elle est belle, les enfants ils ont kiffé de malade. J'ai rarement vu autant les enfants s'amuser. C'est vrai qu'on était venus en couple quand elle était enceinte, mais là en c'est famille, vrai que c'est... Ouais, c'est encore mieux en famille, c'est vraiment différent. Comme Chelsea. Regardez Chelsea, elle arrive en courant. On va lui demander qu'est-ce qu'elle en a pensé les vacances. Comme bébé, what do you think about the Maldives? Was nice? What did you say to mommy? You said I love Maldives. I love Maldives. You want to come back? When you want to come back? Tomorrow. Elle veut déjà revenir demain, vous avez capté. C'est que vraiment c'était des vacances de fou. Donc on a hâte de revenir, là on rentre à la maison. Mais franchement, juste incroyable, ça nous a fait du bien. Et surtout le fait d'être en famille. Hein? You happy? You like Maldives? Okay, now we say bye bye Maldives because bye, we go Maldives. Home. Bye Maldives! Bye. Bye! See you soon! See you soon! On a bien bronzé aussi. Et bye Kaidou! Bye Kaiden! Bye bye! Bye bye! Bye. Bon Kaiden, you know in 3 days is your birthday? Yeah. Yeah. Two. Du coup on rentre à Dubaï et on va préparer l'anniversaire de Monsieur Kaidou pour les 2 ans. Chelsea, when is the birthday Kaiden? December 12th? No, this is your birthday. Yours. Kaiden is Kaiden February 16th. Yeah. Can we make party? Yeah. Party of what? What Superman! Superman? No, I think he like more dinosaur. Ah. Yeah. You want dinosaur or Superman, Kaiden? What? Birthday. Lui, il veut juste un anniversaire, il s'en fout du reste. Alors, mami, dinosaur ou Superman? Dinosaur. Dinosaur? Yeah. Bon, ben, on se reverra alors. Pour l'anniversaire de Kaiden, Dinosaur Land. On va faire Dinosaur Land? Voilà, on se revoit pour l'anniversaire de Kaiden.